Web TV Show. Web TV Show. Web TV Show. TV Show. Web TV Show. TV Show. Re tout le monde, on est toujours en direct. Donc on a ce coup-ci deux équipes, deux nouvelles équipes, et les dernières avant la demi-finale. Nous avons du coup l'équipe à ma droite de Saint-Michel, qui est représentée par Fanfan et Issa. Ok, et à ma gauche, on a l'équipe du coup du Point Jeune de Gravigny, je crois, représentée par Sébastien, 18 ans, et je suis accompagné de Valentin, 15 ans. Je tiens à souligner que Saint-Michel est un animateur, c'est pas cool de leur part. Alors, Seb, s'il te plaît, ne fais pas croire que t'es un jeune, parce que tu fais pas 18 ans. Tu fais trop tard. Voilà, tu fais pas 18 ans, je suis désolé, Seb. Je suis désolé, d'autant, je suis désolé. Alors, donc, je répète les consignes à respecter. Ce coup-ci, on les respecte, parce que personne les a respectées. On buzz quand on a la réponse, on se concerte. Faut pas se venir. La première équipe à 6 points l'emporte. Allez. On a 6. Vous êtes prêts? Allez, on y va, c'est parti. Pardon, attends, on est prêt. Allez, parce que c'est chaud. Allez, Gravigny. Il réagit, il réagit. Normanville, Gravigny. Il est là. Bon, allez, le PSD Cap Nord. Je me combat. Bon, alors, tu sais, t'appuies. Qu'est-ce qu'un haïku? Il y avait des propositions. Ah oui, c'est un poème japonais, quoi. J'ai même pas eu le temps de dire les réponses que tu dis. C'est pas la bonne réponse. Voilà, merci. Un haïku est un poème japonais. Je sais pas, je voilà. En plus, c'est une question adulte, en plus. C'est ça, oh, mais t'es trop fort. Je suis un jeune, je suis en avance sur sur la couverture. Alors... Quoi? La réponse est pour Florentin en plus, dis donc. Florentin, tu quel animal marin possède des fanons pour filtrer l'eau et retenir le plancton? La baleine. Mais oui, je le savais, je te l'ai dit. C'est une bonne réponse, la baleine. Elle est gravée. Ouais, c'est vrai. T'as la main dessus. Ouais, y a pas d'ailleurs, merci. Hein, ouais, sympa. Sympa, Saint-Michel. Merci pour le soutien. Merci beaucoup. Un partout. Voilà, le fair play, j'aime bien ça. Pas trop de fair play. Hein. Quand c'est nous qui gagnons aussi. Attention. Question de catégorie adulte, toujours. On se fera, donc qui veut gagner des 10 000. Qui veut question pour un champion. Attention. T'appuies quoi qui se passe? Quel prix Jean-Paul Sartre a-t-il refusé en 1964? Quel prix Jean-Paul Sartre a-t-il refusé en 1964? Il n'y a pas de proposition de réponse. Oui. Tu sais pas. 1964? Oui. Non, je me suis trompé. Est-ce que vous avez une réponse, Saint-Michel? Ouais, on va proposer une réponse, on va dire le prix de la littérature de je sais pas trop quoi. C'est une bonne réponse. Quoi? Le prix Nobel de la littérature. Elle a dit le prix de la littérature. Bon, mais elle commence pas à donner des points. Allez, là. Deux. Ah, il y a. Se vénère. Elle a dit la réponse. Bon. Valentin, ne sois pas mauvais joueur. Allez, on a passé le verre. Ah, c'est remonté. Attention. Eh, on ne triche pas. Attention. Quel nom de fromage désigne aussi un diagramme circulaire? Camembert. Oh, nul. Merci. Camembert. De partout, je sens que là, on va avoir le. Si tu veux, Valentin. Si je veux. Ouais, bah si tu fais ce que tu veux. Hein. Exactement. On dit pas la célébration. Attention. On a de nouvelles questions. Tu le savais, Camembert? Non. J'ai pas eu le temps, en fait. Je sais les cours de maths. Monsieur et Madame Arel, Valentin, c'est les cours de maths. Moi, j'ai une mauvaise. Faut pas le dire. Un sillon de piste de CD. Pardon? Est-il répète un sillon de piste de CD? Je sais pas. Est-il 6 fois, 16 fois ou 60 fois plus petit qu'un cheveu? 60 fois plus petit qu'un cheveu. C'est une bonne réponse pour l'équipe de Saint-Michel. J'arrive à choper. Voilà. Tu savais où c'était de la chance? Salut Willem. Non, c'était un peu de chance. Ouais, merci. Attention. Oui, il y a 3-2. T'inquiète, on va gagner. Quelle est la capitale au monde? Quelle est la première nation au monde par sa superficie? Je sais.
J'ai même c'est pas qui... proposé de réponse. Mais je sais je déjà. Je propose des réponses. Non, non, d'ailleurs, moi je dirais la Chine, mais. Non. La Russie, la Russie. Non, elles sont tard. C'est trop tard. La Russie, ouais, la Russie. La Russie. Voilà. On est à une égalité parfaite. Oh, c'est serré. C'est vraiment serré au poil de fesses. J'ai hésité entre la Chine et la Russie. Excuse-moi. Oh. Évite, s'il te plaît, on en direct. Je te rappelle. C'est toi qui utilise l'expression border. Alors, là, c'est pour les adultes, c'est pour les animateurs. Ou peut-être les jeunes, s'ils savent. Quel chanteur était surnommé... Je connais pas les chanteurs. The King. Elvis Presley. Non, c'était nous d'abord. Ils ont fait avant. Oh, oh là, mais c'est un menteur. C'est Saint-Michel en premier qui a aidé, s'il te plaît. C'est un menteur. C'est voilà, merci. C'est Gravini. Voilà. Voilà. Ah, le favoritisme. Mais non. Non, regarde, il n'y a pas que c'est des jeunes de Gravini. Voilà, voilà, merci. Alors, donc, vois. C'est... Bien, bien, on repose une question. On repose une autre question, Donc, c'était effectivement Elvis Presley. Alors, ce monsieur, on va poser une question de catégorie CM2. C'est pour moi, ça. Comment appelle-t-on l'acteur qui représente uniquement par des gestes l'action et les sentiments? Oh bah c'est nous hein. Là c'est Gravini là, je suis désolé. Ah bah oui. Non, Lali Il y a de la triche, faut refaire. Bah oui, il faut triché. Refaire une question. Bah oui, il est triché, ouais. Lali elle a donné la réponse. C'est parti. Lali. Je t'ai sauvé, Voyons. Non, pas attendu. Je t'ai sauvé. Oui, mais même, tu l'as dit. Tu l'as fait comme ça. T'as vu la réponse Non. Faut refaire une question. Oui, on va refaire une question. Ouais. Non. Quel oiseau est le symbole de la paix? La colombe. Oui. C'est une bonne réponse. Ouais. Ça fait mal ça. Ah, il n'y a pas d'applaudissement. Super. Si. Non, là, il y a 4 à 3. Hein. Ça fait mal. Quel est le sens du préfixe latin omni? Je donne des 100. Exemples. Ah, mais omnivore, omnibus. Avec. Bah non, mais pas ça. Faut pas donner plusieurs réponses. Moi, j'ai jamais fait la. Quel est le sens de omni? Non. Quel est le sens du préfixe latin omni? Je donne les exemples. S'il te plaît. Omnibus, omnivore. Tout. Mais elle avait déjà donné. Bah non, elle avait déjà donné la réponse, c'est à nous. Alors, oui. C'est tout. Oui. C'est tout. Parce que vous aviez déjà donné une réponse. Allez, merci. Oh. C'est heureusement que t'es là. Chaque... Il y a 4 à 4. Alors là, je tiens à dire que dans les manches précédentes, nous n'avons jamais été aussi serrés que ça. Il me reste 3 points donnés. Ils sont exactement à 4 partout. Mm-hmm. La prochaine question peut peut-être faire l'écart. On va le faire obligatoirement. Question physique. Oh, c'est moche. Le son. Attends, physique. Chimie, physique. Physique, chimie. Physique, chimie. Oh, bon. Okay. C'est horrible. Le son se déplace à 300 mètres par seconde. Combien de temps met-il pour parcourir 1800 mètres? 60 secondes. Non! 60 secondes. Et t'as gravé de répondre. On donne pas la réponse en s'il vous plaît. Attends, 300 mètres par seconde, et c'est combien la distance ça? Je répète la question. Le son se déplace de 3 à 300 mètres par seconde. Combien de temps met-il à parcourir 1800 mètres? On change de question. Est-ce que Saint-Michel. Non, on change. Du coup, ouais, je vais dire 600 mètres. Elle a déjà dit. Alors, non. Juste avant. Alors, j'avais demandé le temps, donc le temps était de 6 secondes. Bah, c'est ce que j'ai dit. Quand t'as dit 60 secondes. Comment appelle-t-on une maladie dont la cause est psychique? Oui, c'est. T'as qu'à appuyer. C'est une maladie psychiatrique. Non! C'est pas ça! Bien sûr. Comment appelle-t-on une maladie dont la cause est psychique? C'est une maladie mentale? Non, un nom spécifique. Psychologique? Non. C'est ça.
Arrête de répondre. Il n'y a pas de profil. Non, de toute façon, on va changer de question. La réponse était une maladie psychosomatique. Ah oui, d'accord, ok. Je n'en ai aucune idée de quelle année il date. C'est un très vieux jeu. Façon, reste calme. Je ne vais pas m'énerver, Martin. T'énerve pas, s'il te plaît. Je ne vais pas tout casser. Non, sur je referme la déjà. On ne l'a pas eu. J'ai même pas installé, j'étais en train de travailler. Par quel document protège-t-on une invention? Un brevet. Oui. Alors, la prochaine question peut. La prochaine question peut être décisive. Attends. Dans quelle ville se trouve le centre de la NASA? Oui. Dans quelle ville? Oui. C'est en Californie. C'est à Los Angeles, pardon. Non. Alors du coup, c'est un pays. C'est une ville. Ville. Dans quelle ville se trouve le centre de la NASA? Je vais dire Washington. Non. Ne soufflez pas. On ne souffle pas. On ne. San Diego. Non. Ok. Alors je propose l'Ohio. Non. Une ville. Une ville. Houston. C'est une bonne réponse. Il l'emporte de très peu. Il faut une caméra pour la célébration aussi. Je sais pas si. J'ai fait la fin. Faut la décaler un petit peu. Tu fais avec moi, Valentin. Ouais, mais vas-y, fais d'abord. Vas-y. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Oui, débranché, je vais vous. Alors attendez, est-ce que en régie, on peut me dire s'il y a eu soufflerie? Oui, il y a pas eu de soufflerie. Il y a la vidéo. Allez, on essaie de faire la dernière question. Du coup, les garçons, vous reviendrez, on prendra la dernière équipe qui est passée tout à l'heure. Ok, bah là. C'est celle-là, oui, c'est celle-là. On peut décaler ou pas? Oui, on peut décaler. Là, t'arrives à fou, là. T'es bien. Okay, Valentin avec moi. Là, attention, file, t'en marques rien. On est prêts? 3, 2, 1. Ouais. En fait, on est content de. Web TV Show. Web TV Show. Web TV Show. TV Show. Web TV Show.